Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour les énergies de ce mardi 29 novembre 2022. Comment allez-vous? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif, et le plus fort est celui que je nourris le plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé tempête en vue, mais à l'envers, nuage à l'horizon. Eh bien, cette carte à l'envers indique que les périodes sombres que vous avez vécues sont derrière vous, ou du moins qu'elle commence à s'estomper. Et cette carte, elle vous demande de vous réjouir. Il y a des moments ensoleillés et de meilleurs moments se pointent à l'horizon pour vous. Cette nouvelle lumière qui arrive, eh bien, pourrait vous inciter à réévaluer la situation et peut-être à prendre une nouvelle direction. Il serait bon de la réévaluer, car vous vous êtes empiété dans cette situation. Demandez-vous où vous souhaitez aller maintenant. Quels sont vos objectifs? Que désirez-vous et qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous voulez changer? Prenez le temps de réfléchir. Et la difficulté que vous avez connue s'estompera. Quelle leçon? Quelle leçon en avez-vous tiré de cette problématique que vous avez vécue? Ou quelle leçon en avez-vous tiré de cette situation présentement? Posez-vous cette question. Alors, qu'il s'agisse d'amour de soi ou d'autodétermination, souvenez-vous qu'il faut que vous appliquiez ses intentions et les leçons apprises dans votre nouvelle voie lumineuse. Il est important que vous vous souveniez d'appliquer ses intentions. Parce que si vous ne le faites pas, vous referez les mêmes erreurs. On passe tous et toutes à un moment donné de notre vie, pour la plupart de nous, n'est-ce pas, un passage à vide, un passage où il y a une tempête, où il y a des nuages. Mais voilà, avec les expériences, eh bien, ça nous permet de faire face à ces tempêtes, à ces nuages, et d'en tirer des leçons pour que cette problématique ne revienne plus à nous. Donc voilà, beaucoup de questions aujourd'hui. Vous êtes en tous les cas, cette tempête que vous avez passée ou que vous passez présentement, eh bien, elle est en train de s'estomper, n'est-ce pas? Et c'est... Je suis ravie pour vous parce que ça n'a pas été facile de passer cette tempête et ça a été presque un tsunami que vous avez passé pour certains d'entre vous. On va le dire comme ça, mais voilà, vous avez été à la hauteur, vous avez pris à bras le corps cette tempête et vous pouvez être fiers de vous, n'est-ce pas? Parce que là maintenant, si ce n'est pas encore derrière vous,
ça va l'être vraiment dans pas longtemps en tous les cas. Alors l'affirmation pour aujourd'hui, j'ai le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle, peu importe ce qui arrive, je peux être fort, confiant et je peux agir par moi-même. Il est évident que chacun peut surmonter les obstacles à partir du moment où on le veut. Ne l'oubliez jamais. Quand on veut, on peut. Il faut le vouloir. Ok, il faut avoir beaucoup de force, mais après, qu'est-ce que c'est bon de sentir que nous y sommes arrivés, quoi. Nous avons passé ce cap et haut la main. Donc c'est pour ça que je dis, vous pouvez être fiers de vous. Alors, on termine avec message de ton âme. Alors, méditer. Eh bien, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà. Méditer après cette tempête, rien que de tel pour revenir à soi, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, je vous embrasse. Cliquez sur le petit pouce hein, pour faire connaître ma chaîne. Je vous en remercie avec ma gratitude. Et puis, ben oui, portez-vous bien, je radote peut-être. Allez, je vous embrasse, à demain. Thank you.